Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette dernière conférence de culture générale du premier semestre. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui une habituée de la maison, c'est Madame Sophie Nadal qui est professeure de droit à l'Université de Cergy-Pontoise qui assure cette conférence aujourd'hui. Sophie, tu n'es pas seulement professeure de droit, tu es aussi, tu co-diriges le master de droit social ici et tu es co-directrice aussi de l'école doctorale de droit et de sciences politiques. Et puis, disons que ton domaine de spécialité en droit du travail, en droit social, c'est le droit de la négociation et celui des conventions collectives, qui est un droit particulièrement intéressant et compliqué. Et tu as écrit des articles dans de nombreuses revues à ce sujet. Et aujourd'hui, tu vas nous parler, tu as choisi comme intitulé le suivant, c'est-à-dire le dialogue, de quoi le dialogue social est-il le nom? Alors voilà, tu vas nous donner ton approche, ton regard critique sur cette notion assez fuyante de dialogue social, hein, qui renvoie à l'idée de partenaires sociaux. Qui en droit pose un certain nombre de questions. J'en dis pas plus, sauf que je te remercie beaucoup de faire cette conférence. Je remercie aussi Stéphane Elmadjian d'être là pour faire la captation vidéo et je vous remercie pour votre attention. Et je te passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Sophie. Merci, chers collègues et amis, Karine, Parot, que je remercie donc de m'avoir convié à, je dirais, disserter, mais vous allez voir, d'une manière critique, hein, académique, mais critique, sur cette notion, ce concept, je ne sais pas d'ailleurs comment il faut l'appeler, de dialogue social. C'est pour ça que je l'ai appelé, sans anticiper sur le contenu, j'ai appelé le thème de cette conférence, de quoi le dialogue social est-il le nom? Alors, vous allez me dire, mais pourquoi choisir ce thème du dialogue social? Parce que Dieu sait si en matière de droit du travail, et dans mon champ spécialité, la négociation et les relations collectives de travail, il y a des thèmes. Hein. On aurait pu parler de la grève, parce que c'est un sujet important. Hein. On aurait pu parler de la vie syndicale, de l'action syndicale. C'est un sujet important. Alors pourquoi le dialogue social? En réalité, je vais simplement m'en référer au début de cette année. Vous le savez, la réforme des retraites. La réforme des retraites, elle a été le théâtre d'une remise en question en profondeur de la manière de réformer le droit social. Et par la formule droit social, j'inclus le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Donc, manière de réformer, en l'occurrence, le régime de la retraite. Et il est évident que mon propos ici ne va pas être d'aller sur le cœur de ces réformes, son contenu, ses enjeux. Non, l'idée, elle est de m'en emparer comme d'un point de départ pour mettre en perspective, je dirais, une partie seulement du propos d'aujourd'hui. À l'occasion de cette réforme des retraites, donc, chacun aura compris le désaccord profond entre le gouvernement d'une part et l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national d'autre part. Chacun aura compris et constaté le rejet par le Premier ministre de recevoir les dites organisations syndicales. Et puis, in fine, chacun aura vu qu'il a été fait recours au 49-3, le fameux 49-3 que vous connaissez tous maintenant, hein, autant de circonstances qui, envisagées dans leur ensemble, ont mis à mal la, alors, démocratie sociale et témoigné, et je cite des extraits de journaux de l'époque, hein, et témoigné d'une situation de blocage du dialogue social en France. Alors, on s'en souvient, vous avez, je pense, regardé un peu les actualités, écouté la radio, lu le journal. À l'époque, il s'observe que la mobilisation gouvernementale du dialogue social, elle a souvent consisté à appeler et à en appeler à des partenaires sociaux responsables. Et le discours a été nourri par des comparaisons européennes,
bien souvent simplificatrices, il faut le dire, le modèle allemand, le modèle danois, par exemple. Et le propos, la finalité du propos en ce cas, consistait donc à opposer les organisations syndicales représentatives qui, au plan national, auraient accepté ou accepté de participer au dialogue social, et cela pour dénoncer, en retour, celles qui s'y refusaient. Autrement dit, l'archaïsme de la conflictualité des grèves, on opposait la culture du droit du dialogue social en tant qu'elle serait un modèle de modernité. Mais à y songer de plus près, et à l'inverse, c'est aussi précisément l'absence de dialogue social qui aura alors été reprochée au pouvoir exécutif. Et je mentionnerai ici le titre d'une tribune qui avait été publiée au Monde par un auteur dont je reparlerai incidemment tout à l'heure, Alain Supiot. Tribune donc relative à ce qui se passait au moment de la réforme des retraites et qui mettait en garde le gouvernement sur les risques inhérents au mépris de la démocratie sociale. À ce stade, on comprend que finalement aussi les formules démocratie sociale ou dialogue social, elles auront été donc largement mobilisées dans les débats, c'est une chose. Tout se passait comme si le sens de ces deux formules était clairement connu de tous, et parfois même, tout se passait comme si l'une et l'autre de ces deux formules valaient dire la même chose. Alors déjà, à ce stade et sur ce terrain, une remarque concernant la formule « dialogue social ». Nombreux sont les sociologues, du travail notamment, les juristes, qui s'accordent en réalité à considérer que c'est une formule floue, c'est un terme valise qui désigne un dialogue social, un concept particulièrement fuyant. Et à ce niveau, il faut insister sur deux choses. Sur une première, et c'est sur cela que je développerai d'abord, qui est la suivante, qui est que démocratie sociale et dialogue social ne sont pas du tout des formules synonymes. Le concept de démocratie sociale, c'est un concept riche, un concept complexe, un concept qui a fait l'objet de nombreux travaux, de recherches scientifiques, théoriques. Et bien sûr, mon propos ne va pas être du tout ici de relater l'histoire du mouvement des idées concernant la notion de démocratie sociale. Simplement, cette formule, elle surgit en 1839, pour la première fois, sous la plume de Louis Blanc, dans son livre « L'organisation du travail ». La formule sera ensuite reprise par Jaurès et puis d'autres ensuite. Et pour Louis Blanc, je le cite, « On ne peut imaginer de véritable république sociale si celle-ci ne s'appuie pas sur ses deux jambes. La première, c'est la démocratie politique, et la seconde, la deuxième, la démocratie sociale. » Autrement dit, déjà, une remarque, c'est depuis les années 2000 à peu près que l'invocation de la démocratie sociale a été largement mobilisée dans les discours politiques et médiatiques. Maintenant, il faut quand même se rappeler que c'est au 19e siècle que l'on doit l'invention du concept. Comme le dirait un auteur que je citerai à nouveau tout à l'heure, un grand juriste, Gérard Lioncan, c'est un peu une vieille idée neuve. Bien, ceux qui l'ont soi-disant inventé ne sont pas véritablement des inventeurs. Maintenant, on va avancer davantage. Alors, au risque, vraiment, je vous le dis, hein, de simplifier, voire même d'avoir une approche même simplificatrice. Ce concept de démocratie sociale, on dira qu'il désigne une forme de gouvernement. Je vais reprendre ici les analyses, alors je les reprendrai partiellement, d'Alain Supiot, que j'ai évoqué tout à l'heure. Selon lui, la démocratie sociale invite à concevoir que là où il revient aux législateurs issus du suffrage universel de faire les lois, les organisations professionnelles d'employeurs et des salariés doivent, et concernant le droit du travail, contribuer à sa conception, à son élaboration. C'est ça qui caractérise pour partie
le concept et la notion, un système dit de démocratie sociale. On va également insister sur un point. Pour faire court, la dimension conflictuelle, autrement dit, la poursuite de mouvements de grève, elle n'est pas étrangère, aucunement, au concept de démocratie sociale. Chez certains, elle en est même un ressort, ne serait-ce que parce que, précisément, la grève participe à l'établissement d'un rapport de force entre le pouvoir politique, les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés. Et qu'en ce sens, elle peut être aussi la sève du dialogue social et de la démocratie, en tout cas sociale. Le dialogue social, donc, j'ai un peu anticipé sur mon propos, il s'agit de l'évoquer maintenant, donc introduire cette autre notion. Alors, il est une définition qui, sur le terrain juridique, peut faire, consensus. C'est la définition délivrée par l'Organisation internationale du travail, du dialogue social, je la cite. « Le dialogue social inclut tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, et cela selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant des intérêts communs. » Alors, fin de citation. Alors, à reprendre, à regarder et à relire cette définition et à s'inscrire dans le prolongement de l'analyse délivrée par Alain Supiot. Ici, seuls les mécanismes qui organisent véritablement la contribution des organisations d'employeurs et de salariés à l'élaboration ou à la conception du droit du travail vont retenir mon attention. Autrement dit, toutes les déclinaisons du dialogue social également évoquées par la définition de l'OIT, autrement dit les mécanismes qui organisent la consultation, les échanges d'informations entre les représentants des gouvernements et des organisations d'employeurs des salariés, ces mécanismes-là, je les exclus du propos dans la mesure où, je justifie, elles ne procèdent pas à proprement parler et directement du concept de démocratie sociale. Autrement dit, je ne vais pas vous parler des rencontres qu'initie le gouvernement avec chacune des organisations professionnelles séparément d'employeurs et de salariés dans les bureaux de Matignon. Je ne vais pas vous parler des sommets, des assises, des grands rendez-vous organisés également dans le cadre gouvernemental. Je ne parlerai pas non plus, mais vous comprendrez davantage plus tard, que je ne parle pas non plus du dialogue social tel qu'il peut être conduit dans l'entreprise. Autrement dit, les hypothèses dans lesquelles, en vertu du Code du travail, l'employeur est tenu d'informer et de consulter les représentants élus du personnel dans l'entreprise sur les mesures qu'il projette de prendre. Mais en ces cas, ce qu'on appelle le comité social et économique est informé, consulté, mais il n'est pas intégré dans le processus de prise de décision, la définition finale, la décision, elle est unilatérale. Bien. Il est pourtant cas, aussi, là, de dialogue social. Il n'est pas rare que ça soit que la formule soit utilisée en ces cas. Mais dans l'autre cas, je vous l'ai dit, la décision finale, elle appartient soit au législateur, quand on passe aux concertations diverses initiées par le gouvernement, ou par l'employeur, au sortir de la procédure d'information et consultation. Bien. Alors, le cadre de cette conférence ayant été posé, je vais traiter donc de deux choses. Dans un premier temps, je vais traiter du dialogue social visé par le Code du travail en cas de projet de réforme initié par le gouvernement, autrement dit par le pouvoir exécutif. Et dans un deuxième temps, je traiterai de la négociation et de la conclusion des conventions et accords collectifs de travail. Et d'ailleurs, ici, quand même, le point est d'actualité. Vous le savez, en matière salariale actuellement, s'agissant de la revalorisation des salaires,
C'est au dialogue social que le gouvernement, le ministre du Travail notamment, fait actuellement appel, mais ce dialogue social-là, c'est tout simplement la négociation collective. Autrement dit, c'est à la négociation collective qui est renvoyé le soin eh bien, d'augmenter les salaires en ces temps d'inflation. Mais on va s'intéresser d'abord à ce dialogue social donc, qui a fait si cruellement défaut à l'occasion de la réforme des retraites. La notion de dialogue social, donc, je vais la traiter ici en la rapportant, c'est mon premier point, au projet de réforme initié par le gouvernement. Pour introduire le propos, je citerai un auteur que j'ai cité tout à l'heure, Gérard Lyon-Caen. Gérard Lyon-Caen, dans un magnifique ouvrage, a écrit la chose suivante. Le droit du travail, c'est Pénélope devenue juriste. Pénélope devenue juriste. L'image, elle renvoie à l'épouse d'Ulysse, qui, pour repousser les prétendants durant l'absence de son époux, promettait et avait promis de reprendre un nouvel époux dès qu'elle aurait fini de tisser un suaire, c'est-à-dire une étoffe de tissu, qu'elle défaisait en réalité sur son métier à tisser toutes les nuits, reportant comme cela éternellement l'échéance à laquelle elle pourrait reprendre époux. Et pourquoi je reprends cette formule ? C'est parce que, à certains égards, il en est de même pour le droit du travail, qui, du fait des réformes successives, a été fait, défait, refait, et cela, finalement, dans un mouvement de revisite en profondeur. Et ici, je dois introduire donc le mécanisme dont je vais vous parler, qui est visé dans le chapitre préliminaire du Code du travail, aux articles L1 à L3 du dit Code, procédure donc qui a été pensée pour affermir la légitimité des réformes initiées par le gouvernement. Et ces prévisions légales, L1 à L3 du Code du travail, elles ont été introduites dans notre droit par une loi du 31 janvier 2007, dite loi de modernisation du dialogue social. Cet article, L1, je vous le cite, il prévoit la chose suivante. Bon, je ne lis pas en intégralité. Tout projet de réforme envisagé par le gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives de travail, l'emploi, la formation professionnelle qui relève du champ de la négociation nationale interprofessionnelle, fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une négociation. Alors, en quoi consiste en réalité ce nouveau dispositif ? La volonté du législateur ici est donc de renforcer, c'est l'affichage en tout cas, de renforcer le rôle de la négociation collective dans la définition du contenu des normes légales du droit du travail, contenu dont qui serait d'autant plus légitime, d'autant plus adapté aux besoins et aux nécessités économiques et sociales, que précisément, il est inspiré de mesures qui ont été négociées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, sur lesquelles ils se sont préalablement accordés. L'idée également, elle est de dire que la réforme pourra être dotée de davantage d'efficacité juridique dans la mesure où les destinataires de la règle, en tout cas leurs représentants, ont pour partie contribué à sa conception. Et cette réforme de 2007, qui a introduit donc les articles L1 à L3 dans le Code du travail, elle n'est pas née du hasard, elle a eu vocation à tirer les leçons d'un grand échec, celui en 2006, enfin un échec, tout dépend, ceci dit, du point de vue auquel on se place. Je pense ici à l'échec du fameux CPE, le contrat première embauche. Alors ceci étant rappelé, l'article L1 et L2 et L3, les articles donc L1 et L3, sont rangés dans le chapitre préliminaire du Code du travail, qui s'appelle et qui est intitulé « Dialogue social »,
La formule dialogue social, on ne la trouve que là, dans le Code du travail. Donc sa juridicité interroge. Et au sujet de ce dialogue social initié par l'article L1 notamment, deux points vont retirer attirer votre attention, la mienne et la vôtre. L'un tient au protagoniste du dit dialogue social et l'autre au rôle du dit dialogue social. Alors concernant les protagonistes du dit dialogue social, on comprend, en tout cas à un premier stade, qu'il s'agit du gouvernement, le pouvoir exécutif d'une part, qui a un projet de réforme, et d'autre part, des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel, et qui sont donc ici envisagées en leurs ensembles, et qui donc reçoivent l'appellation de partenaires sociaux. De qui sont-ils les partenaires dans cette interlocution, dans le dialogue de la concertation conduite avec le pouvoir exécutif? On poursuit. Cette concertation peut conduire, dès lors que les partenaires sociaux partagent pour une partie d'entre eux, tout au moins, le constat de la nécessité ou l'opportunité de la réforme projetée par le gouvernement, la concertation peut donc conduire à ouvrir une négociation collective au niveau national interprofessionnel. Mais cette fois, les partenaires sociaux sont mus en partie, employeurs d'un côté et salariés de l'autre, partis à une négociation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partenaires, l'une et l'autre des deux parties ne poursuivant pas nécessairement des intérêts qui convergent, et même des intérêts opposés. Chacun, hein, côté employeur comme côté salarié, défend les intérêts de ceux qu'il représente. Et à imaginer qu'au sortir de cette négociation, un accord national interprofessionnel soit conclu, eh bien, cet accord va servir, je dirais, de point d'ancrage, de sève, oui, pour nourrir le contenu du projet de loi. Bien. Ce dialogue social, on comprend qu'en réalité, dans l'article L1, il a plusieurs facettes. Il y a un glissement sur plusieurs registres. Un glissement initial de concertation entre le pouvoir exécutif, d'une part, et les organisations nationales interprofessionnelles représentatives des employés et des salariés, de l'autre, et qui peut aboutir, le cas échéant, à une autre étape, qui est celle d'une négociation, proprement dite, entre les groupements d'employeurs d'un côté et de salariés de l'autre, avec l'opposition d'intérêts qu'ils représentent et qu'ils défendent. Si l'accord est trouvé, eh bien, la logique de l'article L1 suppose que le gouvernement reprenne tout ou partie, hein, des mesures arrêtées dans l'accord national interprofessionnel au moment de l'élaboration du projet de loi, puis de sa soumission au débat parlementaire. Alors, la description aura pu vous paraître fastidieuse, mais sur le terrain des sources du droit du travail, elle renvoie à une procédure inédite puisqu'elle associe les organisations professionnelles à la confection de la loi, mais ils ne sont pas pour autant législateurs. Celui qui vote la loi, c'est le Parlement, que ça soit clair. Mais c'est bien en ce sens qu'il s'agit de l'un des mécanismes de la démocratie sociale, au sens où nous l'avons défini plus haut. Maintenant, il faut quand même poser un cadre. Sur le plan constitutionnel, il importe quand même de préciser que le gouvernement n'est pas tenu de reprendre mot à mot les termes de l'accord national interprofessionnel qui aurait été conclu, hein, dans le cadre dont on vient de parler. Le Parlement, encore moins, il a un pouvoir d'amendement. Donc le Conseil constitutionnel a rendu une décision très clairement là-dessus. Ils ne sont aucunement tenus de reprendre fidèlement, hein, d'être la plume, recopier, hein, l'accord conclu par les organisations professionnelles. Donc c'est un point important et il ne faut pas non plus oublier qu'un accord national interprofessionnel peut avoir été signé au sortir de cette procédure, mais sans que toutes les organisations syndicales représentatives des employeurs ou des salariés les signent. Donc la légitimité que constitue cette assise à négocier pour la loi peut être à relativiser. On n'a pas toutes les organisations syndicales
notamment, n'en sont pas nécessairement d'accord. Alors, ceci étant dit, il faut quand même le dire, depuis près de 8 ans, plus de 8 ans déjà, et notamment à compter du projet de réforme initié en matière de temps de travail et qui a abouti à la loi dite El Khomri de 2016, le dialogue social visé par l'article L1 du Code du travail est formel en point. Alors, au sortir de la réforme des retraites, qui a été quand même un moment assez significatif de cette situation dans, dans lequel était le dialogue social, vous le savez, le gouvernement s'est récemment engagé à relancer le dialogue social. Et donc, dans la plus pressante actualité, un calendrier a été fixé par le Premier ministre aux partenaires sociaux. Donc, ils ont les partenaires sociaux jusqu'à la fin de 2023 pour voir s'ils décident ou non d'entrer en négociation interprofessionnelle et voir de conclure des accords nationaux. Alors, quels sont les thèmes? Ce n'est pas un hasard. L'emploi des seniors, le compte épargne-temps, l'usure professionnelle, voilà trois exemples. Bon, vous voyez que parmi eux, il y en a au moins deux qui sont en lien direct avec la réforme des retraites. Et ces accords, si jamais ils étaient conclus, et si jamais ils étaient donc repris en tout ou partie, donc, ils auraient vocation à figurer soit dans un nouveau projet de loi travail, ou bien encore, plus vraisemblablement d'ailleurs, dans plusieurs projets de loi ponctuels qui interviendraient après 2024. À ce sujet, hein ? On change de micro. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? C'est bon, c'est bon. D'accord. Mais je peux ne pas prendre de micro du tout. Si, hein. Vas-y. Bonjour. Bon. Alors, voilà. Donc, écoutez, à ce stade-là, nous verrons bien ce qui va advenir de cette relance du dialogue social. Hein. Je ne suis pas une pitié grecque, donc je ne sais pas ce qui va se passer en début 2024. On va se centrer maintenant sur la figure... Bon, sur la figure classique du dialogue social, à savoir celle de la négociation et de la conclusion des conventions et accords collectifs de travail. C'est donc ce qu'on va voir dans ma deuxième partie. Et là, je vais développer... C'est bien, là, c'est bon, vous entendez. Bon, non mais... Tous ces micros, là aussi. Bon, alors, c'est pas une conférence... Alors... On va donc passer à la deuxième partie. Et ici, bon, vous l'avez compris, je vais ramener la notion de dialogue social à son terreau originel, c'est-à-dire à la négociation collective et à la conclusion des conventions et accords collectifs de travail. Alors d'abord, un petit retour sur l'histoire. Tandis que Louis Blanc inventait le concept de démocratie sociale en 1839, il importe quand même de rappeler que cela s'est passé près de 10 ans après la révolution de juillet 1830, appelée les Trois Glorieuses, pas les 30, les Trois Glorieuses. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ben, à compter de la révolution de 1830, le mouvement ouvrier en France s'est amplement développé, organisé, et quoiqu'à l'époque elles étaient très durement réprimées, les grèves se sont multipliées. Le tarif, autrement dit ce qu'on appellerait de nos jours le salaire, était au cœur des revendications ouvrières en cette époque d'anomie en matière sociale, c'est-à-dire de quasi-absence de législation industrielle, qui sera la première formule qui désignera ce que nous aujourd'hui on appelle le droit du travail au début du XXe. Mais ceci étant dit, des actions furent conduites alors partout en France et dans de nombreux corps de métiers et d'industrie, parfois réprimés dans le sang. Les ouvriers en soie de Bédarieux, les tailleurs de Clermont-Ferrand, les ouvriers agricoles de Montbazin, les mineurs d'Anzin, les gantiers de Chaumont, les maçons, les menuisiers, les maréchaux-ferrants, les canuts, mais j'allais le dire, les tisserands, les charpentiers, les porcelainiers. Bien sûr, le temps nous est compté. Et bien sûr, je ne pourrai pas... Ça serait formidable, mais faire une histoire du mouvement ouvrier ici. Mais l'évoquer grossièrement est nécessaire. Pourquoi ? Bien pour comprendre comment, peu à peu, les organisations syndicales de salariés vont contribuer
à l'élaboration d'une réglementation négociée des rapports de travail. Et ici, à ce stade, deux dates essentielles. Un, la suppression en 1864 du délit de coalition. Premier tournant, aujourd'hui, on vous parlera du droit de grève. La reconnaissance du droit de grève a été et est encore un renforcement d'ancrage, du renforcement et de l'organisation de la structuration du mouvement ouvrier à la fin donc, du 19e siècle. 20 ans plus tard, la loi du 21 mars 1884, cette fois, la loi dite Waldeck-Rousseau, autorisera quant à elle la création de syndicats, consacrera la liberté syndicale, là où jusqu'ici les syndicats et l'action syndicale se développaient dans la clandestinité. Il faut insister sur l'importance de ces évolutions, car depuis cette époque, la liberté syndicale et le droit de grève sont des modes légaux d'expression des conflits sociaux, modes légaux d'expression des conflits sociaux qui sont partie constitutive d'une république sociale, et conflits sociaux, grèves, qui sont le véhicule d'une aspiration à l'amélioration de la condition des salariés, à l'époque on dirait la condition ouvrière au travail. Il faut le préciser, liberté et droit de grève figurent tous deux dans le préambule de la Constitution de 1946. La liberté syndicale figure à l'alinéa 6 du préambule et la liberté, et le droit de grève à l'alinéa 7. À valeur constitutionnelle, ces droits et libertés sont donc un point d'ancrage de la réalisation juridique du concept de république sociale. Au sortir de la reconnaissance de ces deux droits, les libertés, droit de grève et liberté syndicale, les conflits vont se développer dans les usines et les manufactures durant la fin du 19e siècle et une pratique va s'installer. Elle va consister à conclure ce que l'on appelle à l'époque des contrats collectifs de travail. Et ces contrats sont conclus en dehors de toute législation spécifique. On a le Code Napoléon de 1804 et l'employeur s'engager dans ses contrats collectifs à verser à tous les ouvriers de la fabrique un tarif fixé avec les syndicats au sortir de la grève. Et c'est là que naît l'un des débats les plus riches, les plus denses du droit du travail moderne, dans la mesure où, on l'a compris, ces contrats collectifs du travail ont vocation à s'appliquer à tous les ouvriers de la fabrique, à tous les ouvriers de l'usine. Or, en droit, les 10 ouvriers, ils sont extérieurs au cercle des parties aux 10 contrats, à savoir le syndicat d'ouvriers d'une part et l'employeur ou des groupements, comme le comité des forges par exemple, d'autre part. Ils ne sont pas contractants. Et tous qui avaient fait ou qui allaient faire du droit civil, le droit des contrats, la fée synalagmatique du contrat, etc., on comprend que c'est une hypothèse qui échappe complètement à l'orthodoxie du Code civil. Et c'est bien le débat qui va naître sur la reconnaissance de cette originalité en droit des conventions collectives de travail qui va s'ouvrir. Alors l'enjeu est de taille, puisque de manière extrêmement simplifiée, on comprend qu'il s'agit de concevoir en droit comment une convention, un contrat, peut être doté d'un effet obligatoire à l'égard de non-signataires. Et en ce sens, la convention collective, elle est bien un foyer originel de la démocratie sociale, dans la mesure où cette conception aboutit à penser que ce contrat collectif de travail, il est un élément de la réglementation des conditions de travail, et que c'est un élément de la réglementation des conditions de travail qui est le fait de groupements professionnels, d'employeurs et de salariés, pas du législateur. Alors là, évidemment, on va faire une histoire accélérée et schématique du droit des conventions collectives pour en arriver à la situation contemporaine. Alors, la première, on va dire, qu'on va citer ici, fondatrice de la consécration de
de la matière et la loi du 24 juin 1936. Le 24 juin 1936, nous sommes sous le Front populaire. Et cette loi du 24 juin 1936 aura été décisive parce que c'est elle qui, la première, a conçu un régime juridique qui dote, dans notre droit français, la convention collective conclue par des groupements professionnels, d'employeurs, de salariés, des faits juridiques comparables à ceux, on va dire, d'un règlement, ou alors, si on entend largement le terme, au sens première année, ou d'une loi au sens large. La même loi du 24 juin 1936 posera également une condition tout à fait fondatrice, condition qui tient à l'exigence de représentativité des organisations syndicales de salariés. Elles seules, celles donc qui sont représentatives, peuvent légalement négocier et conclure à l'époque des conventions dites de branche, susceptibles donc d'extension et de produire un effet normatif comparable à celui d'une loi. On comprend donc que la qualité représentative, elle sert d'assise à l'effet normatif de l'accord. Pour l'expliquer différemment, si à compter de cette époque, les syndicats de salariés détiennent en droit le pouvoir de signer une convention qui pourra s'appliquer à l'ensemble des salariés pour régler leurs conditions de travail, c'est parce que ces syndicats sont juridiquement représentatifs des salariés. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors, pour en revenir rapidement à l'évolution du droit des conventions collectives, d'autres réformes vont intervenir. En 1946, en 1950, en 1971, en 1991, les deux dernières dates étant importantes. Et puis, autre tournant, 2004, 2008, 2016, 2017, le rythme des réformes se rétrécit. Pénélope défait encore plus rapidement son suaire la nuit. Et à l'occasion, on défait le droit du travail. Ces réformes sont des tournants également, plus radicaux encore, dans la manière de concevoir le droit des conventions et accords collectifs de travail. Alors aujourd'hui, ça, ce n'est pas une découverte pour vous, la négociation, la conclusion des conventions et accords collectifs, elle constitue la figure emblématique du dialogue social qui nous occupe aujourd'hui. Et le dit dialogue social est célébré. Mais s'il est célébré, c'est peut-être aussi parce qu'il a été, parce que, comment dire, le droit des conventions collectives a été transformé en profondeur et que ces transformations ont affecté le rôle de la négociation collective au sein des sources du travail, du droit du travail. Alors pour le comprendre, je vais évoquer quelques points. D'abord, il faut s'intéresser à l'ancrage constitutionnel du droit à la négociation collective. Je pense ici au droit à la négociation collective visé par le préambule de 1946, toujours préambule de la Constitution de 1946. Ici, ce droit à la, que l'on dit, détermination collective des conditions de travail, ce n'est pas exactement l'écriture, je vais y revenir. Ce droit, il figure à l'alinéa 8, celui-là, du préambule de 1946. Bien. Alors, à grands traits, je vais vous dégager des évolutions, notamment depuis 1982. Je cite pour partie l'alinéa 8 du préambule de 1946. On lit « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. » Cet ancrage constitutionnel oblige à insister sur un point. Ce sont les travailleurs qui sont les titulaires de ce droit à valeur constitutionnelle. Vous comprendrez où je veux en venir. Par ailleurs, je l'ai dit, la négociation collective, c'est une source du droit du travail. Lorsqu'elle aboutit à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif, cette convention s'applique aux salariés et aux employeurs. Alors, qui pour une branche relève de leur champ d'application, si c'est au niveau de l'entreprise, c'est dans l'entreprise. Autrement dit, son effet normatif, son effet juridique procède de celui d'un règlement, je l'ai dit, et non pas d'un contrat au sens du droit des obligations que certains d'entre vous ont commencé d'ores et déjà à étudier en deuxième année.
ou ont déjà étudié. Ben. Deuxième point, la conception du rôle de la négociation collective, elle a longtemps été conçue dans nos sources comme étant animée par une logique acquisitive. Je précise davantage, les conventions collectives, elles ne s'appliquaient aux salariés, dans les grands traits, qu'à condition d'améliorer les droits des salariés. Il ne faut jamais perdre de vue que les salariés sont placés dans une relation individuelle de travail qui les lie à leur employeur et dans un rapport contractuel inégalitaire, autrement dit, dans un rapport de subordination juridique. Et ici, précisément, en tout cas, suivre les analyses d'Alain Supiot notamment, c'est parce qu'elle est portée à l'échelle collective que la négociation des conditions de travail, quand elle est conduite avec les organisations syndicales de salariés représentatives, permet de rétablir le rapport de force qui n'existe pas au niveau du rapport individuel de travail. On comprend donc que ce système de la négociation collective a longtemps été conçu comme un mécanisme amélioratif des conditions des salariés, aboutissant à leur faire bénéficier de règles plus favorables que leur contrat de travail, plus favorables aussi que la loi. Le point est capital. Longtemps, c'est par référence exclusive au principe, entre guillemets, de faveur, que s'entendait l'application des conventions collectives. Il y a une formule éclairante ici, qui est celle d'un autre professeur de droit, Yves Chalaron. Yves Chalaron écrivait « Le principe de faveur, c'est l'âme du droit du travail. » C'est l'âme du droit du travail, ça aide à comprendre, dans les grands traits, deux questions. La première qui tient aux syndicats de salariés signataires. Ils doivent être représentatifs. Ils portent les intérêts des salariés. C'est une représentation d'intérêts, pas de sujet, comme en droit privé, commun. Pour être considérés comme représentatifs, pendant longtemps, jusqu'en 2008, il y avait deux manières. Soit les syndicats devaient prouver leur représentativité, il y avait 5 critères, soit ils devaient appartenir à l'une des 5 organisations syndicales présumées représentatives au plan national interprofessionnel, il faut les connaître. Il s'agit de la CGT, de la CFDT, de la CFTT, de la CFTC, de la CGTFO et de la CFECGC. J'explicite les acronymes. La Confédération générale du travail, la Confédération française et démocratique du travail, la Confédération française des travailleurs chrétiens, la Confédération générale du travail, force ouvrière, et la Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres. Bien. Le jeu exclusif, je suis toujours avant 82, du principe de faveur, aboutissait donc à ce que la signature, à l'époque, d'une seule organisation syndicale de salariés représentative puisse aboutir à l'application de la dite convention à tous les salariés. Et là, point important, à tous les salariés, qu'ils soient membres ou pas du syndicat ou d'un syndicat. Cela aide à comprendre une autre question propre à notre système juridique et qui explique le faible taux de syndicalisation en France. Ce point, il s'explique tout simplement par le fait que tout salarié y bénéficie des améliorations obtenues par les syndicats représentatifs dans la convention collective, qu'ils soient syndiqués ou non. Je précise davantage, si la convention a été conclue au sortir d'une grève relative au salaire, par exemple, tous les salariés, grévistes ou non, bénéficieront de l'augmentation qui aura été obtenue. Alors, la situation, elle est toute différente dans d'autres systèmes juridiques où seuls les salariés syndiqués bénéficient des conventions collectives et du fruit de l'action des syndicats. On peut donc comprendre que c'est dans les uns, on est 80% de salariés syndiqués, là où en France, on est à 7%, hein, puisque, bon, vous avez compris, syndiqués ou pas, si les copains font grève et que la grève aboutit, on bénéficie, comme eux, de l'augmentation de salaire. C'est ce qu'on appelle la solidarité professionnelle. Enfin, bon, je sais pas. Bref, en résumé, longtemps, le droit à la négociation collective jouait nécessairement au renfort des droits des salariés.
Ce droit à la négociation collective, il s'exerce à plusieurs niveaux, au niveau interprofessionnel, mais concernant les relations, je dirais, de l'organisation, les conditions de travail, c'est plus fréquemment au niveau des branches professionnelles et, c'est capital, au niveau des entreprises. Il faut rappeler d'ailleurs ici que l'exercice de la liberté syndicale dans l'entreprise, elle a été consacrée aux sorties de grèves, parce qu'avant d'être un mouvement étudiant, c'était une grève, des grèves de 1968. Et que c'est donc la loi du 27 décembre 68 qui a consacré l'exercice de la liberté syndicale dans les entreprises. Ça n'est pas si loin. Bien. Cette loi, elle est essentielle, hein, parce qu'un syndicat peut être condamné pour discrimination syndicale lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un salarié du fait de son action d'appartenance à un syndicat. Et dans une entreprise, ce sont en principe des délégués syndicaux qui négocient avec l'employeur les conventions et accords de travail. Maintenant, j'en reviens à mes trois niveaux de négociation, interprofessionnel et peut-être plutôt encore de branche et d'entreprise. On comprend donc deux choses. Un, si elles existaient, lorsqu'elles existent, la convention nationale interprofessionnelle ou la convention de branche ou la convention d'entreprise ou en cas, au cas où elles sont toutes les trois également applicables à une même relation de travail. Elles s'appliquaient de préférence à la loi ou bien de préférence au contrat de travail des salariés que si elles leur étaient plus favorables. Et deuxième point, lorsque j'avais en même temps une convention collective de branche qui était applicable et une convention d'entreprise, on appliquait l'une d'elles hein, et on appliquait celle qui prévoyait les avantages les plus favorables aux salariés. Donc, logique de faveur. Et c'est sur ce terrain que les changements contemporains sont décisifs. À compter de 1982, dans le cadre de ce qu'on a appelé les lois Auroux, pour favoriser le développement de la négociation collective, ont d'abord été créées des obligations de négocier, en matière salariale notamment. Mais attention, l'employeur, s'il est obligé de négocier, il n'est jamais obligé de conclure. Hein. La liberté contractuelle, hein, la valeur constitutionnelle. Bien. Deux, il a été admis qu'un accord d'entreprise ou qu'un accord de branche puisse s'appliquer de préférence à la loi sans même se regarder si elle était plus favorable ou non. C'est ce qu'on appelle les accords dérogatoires que l'on trouve en matière de temps de travail. Alors c'est une étape importante, pourquoi ? Ben parce qu'elle va rendre la négociation bien plus attractive du côté des employeurs. Et elle va également transformer, pour partie, la conception classique du droit du travail lui-même. À reprendre la formule de Yves Chalaron, il perd une partie de son âme, si tant est que son âme était donc le principe de faveur. Puisque dans les rapports entre la loi, d'une part, et la convention collective, d'autre part, le principe de faveur ne joue plus nécessairement. Autrement dit, exit, dans ce cas-là, le principe de faveur dans les rapports entre la loi et les conventions collectives. Alors là, je fais un immense saut en avant. À compter des ordonnances Macron, maintenant, du 22 septembre 2017, dorénavant, et alors après des évolutions que je ne vais évidemment pas relater ici, dorénavant, une convention d'entreprise prévaut sur une convention de branche, par principe. Le problème n'est pas qu'elle soit plus favorable. Elle prévaut. Elle prévaut, sauf sur 13 matières, parmi lesquelles figurent les salaires minima hiérarchiques. Elle prévaut, mais dans le cas de ces 13 matières, c'est au contraire l'idée selon laquelle c'est l'accord de branche qui prévaut, donc on se dit tout va bien, sauf si l'accord d'entreprise comporte des garanties au moins équivalentes. Ce n'est pas la même chose, garantie au moins équivalente, que règle plus favorable. Ce n'est pas pareil. Autrement dit, exit aussi ici le principe de faveur, la règle de faveur, dans les rapports entre accords collectifs cette fois. Et les mêmes ordonnances Macron, mais bon là aussi il faudrait, bon ça venait pas de nulle part, ont introduit une figure particulière d'accord d'entreprise cette fois. Il s'agit des accords de performance collective. Et ces accords peuvent modifier le contrat de travail des salariés, y compris défavorablement,
en aménagement la rémunération le cas échéant. Si le salarié refuse, il peut être licencié. Son licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et, à cet égard, la porte de la contestation en justice s'en trouve fermée. Ce que je veux dire par là, de manière très simplificatrice, c'est clair. C'est que, ici encore, à certains exit le jeu du principe de faveur dans les rapports entre le contrat et la convention collective d'entreprise. Depuis 2017, il s'ajoute que le dialogue social, c'est-à-dire la négociation d'accords collectifs, elle est favorisée, cette négociation, ce dialogue, dans l'entreprise. C'est prioritairement le niveau de l'entreprise qui est favorisé par le législateur. Et donc, cela ouvre la faculté à l'employeur d'organiser des conditions de travail plus flexibles, dans un sens qui n'est pas plus favorable aux salariés. Et on comprend donc pourquoi aujourd'hui, les employeurs, leurs groupements, en appellent volontiers au dialogue social, là où, dans les années 70 ou 80, ils pouvaient être en revanche rétifs à négocier dans l'entreprise. Ça oblige évidemment à s'interroger sur la légitimité des accords collectifs qui sont issus du dialogue social, de la négociation collective, d'entreprise notamment, telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisqu'ils peuvent s'appliquer, entre guillemets, en leur défaveur. Bon. Alors cette légitimité, elle peut s'envisager sous deux angles. L'un tient à la représentativité des syndicats de signataires, de salariés, et l'autre aux conditions de validité des conventions collectives, d'entreprise notamment. C'est de ça dont je parlerai plus. Concernant la représentativité syndicale, elle a fait l'objet d'importantes réformes depuis 2008. Il y a dorénavant 7 critères cumulatifs. Donc, 7 critères cumulatifs de la représentativité depuis 2008, parmi lesquels il y a le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté minimale de 2 ans, l'influence, les effectifs d'adhérents et de cotisations, et l'audience, qui, elle, est calculée sur la base des élections qui sont organisées dans les entreprises en vue de mettre en place les instances élues du personnel, autrement dit le comité social et économique. Bien. Dans l'entreprise, le seuil d'audience que doit obtenir une organisation syndicale est de 10% des suffrages. Bien. Cette condition d'audience, vous l'avez compris, elle ne suffit pas à établir la représentativité d'un syndicat, loin de là, et elle est tirée de l'élection. Elle hybride cette notion, si bien que cela a, en principe, vocation à renforcer la légitimité représentative des syndicats de salariés, et partant la légitimité des conventions qu'ils concluent. Et qui pourront s'appliquer aux salariés, à tous les salariés, y compris en leur défaveur. Concernant la validité des conventions collectives dans l'entreprise maintenant, en principe aujourd'hui, la convention collective, elle doit avoir été conclue sous le régime de l'exigence que l'on dit majoritaire. Je vous le rappelle, dans les années 80, la signature d'un seul syndicat pouvait suffire. Bien. La règle ici, elle est donc, en principe, aujourd'hui, un syndicat ou les syndicats représentatifs qui ont signé la convention, ils doivent avoir totalisé au moins 50% des audiences de suffrage dans l'entreprise. Non. Donc ça paraît bon, quand même une assise de légitimité importante, en tout cas majoritaire. Mais en réalité, tout n'est pas fini, parce que si ce n'est pas le cas, mais que les syndicats ont obtenu, seuls ou ensemble, au moins 30% des suffrages, là, la convention qu'ils ont conclue va être soumise à un référendum qui va être organisé auprès des salariés, et si la majorité des salariés approuve la convention, alors l'accord est valable, c'est une convention collective d'entreprise valablement conclue. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que concernant le référendum, certains auteurs y voient une manifestation de la démocratie sociale. Dans l'entreprise, lit-on. Ceci étant dit, il y a quand même une question, au moins une, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait poser, mais imaginons, de manière très schématique,
qu'un employeur indique qu'à défaut de conclure l'accord d'entreprise ou à défaut pour les salariés de l'approuver par la voie de référendum, il ne pourra pas flexibiliser les conditions de travail comme il en ait besoin et par conséquent qu'il sera besoin, il sera contraint de licencier. Quel sera le résultat du référendum en ce cas ? Est-ce que les salariés ont véritablement le choix ? Et en ce sens-là, peut-on véritablement assimiler, je dirais, la logique référendaire directement à la question de la démocratie sociale ? Ça peut se discuter. Plus généralement, on l'a compris, la négociation collective aujourd'hui, le dialogue social, permet à l'employeur de négocier quasiment sur tous les sujets. Temps de travail, repos hebdomadaire, tout ce, bon, beaucoup de sujets, les heures de... Enfin, bon, je ne sais pas développer. Bon, quasiment tous les sujets. Sous réserve, attention, c'est important, du respect de l'ordre public. Précise, on voit du travail, on distingue plusieurs ordres publics, et en l'occurrence, l'ordre public dont je parle, c'est l'ordre public absolu. Ceci étant dit, sous réserve donc du respect de cet ordre public, l'accord d'entreprise pourra, valablement conclu, primer sur l'accord de branche, primer sur la loi, dans un sens qui n'est pas plus favorable aux salariés. Et en cas d'échec de la négociation, un employeur peut toujours prendre des décisions unilatérales, mais qui, dans un cadre, hein, dans des limites fixées par la loi. Le sujet que je traite là est autrement plus vaste, plus complexe, plus nuancé, et d'ailleurs il donne sujet à débat, que je ne le laisse à croire hein, aujourd'hui avec vous, mais bon, j'ai quasiment dépassé mon temps. Jusqu'ici, je n'ai envisagé que la négociation et le dialogue social dans le rapport aux organisations syndicales représentatives des salariés. Mais quand même, il faut en dire un mot. Aujourd'hui, dans une entreprise, en l'absence de délégués syndicaux, un employeur peut négocier avec des élus. Et dans certaines entreprises, celles de moins de 11 salariés, l'employeur peut alors négocier un projet d'accord, et cela, ça il faut que je vous le dise, au nom du développement de la démocratie sociale et du dialogue social dans les entreprises, dans les TPE. De quoi s'agit-il dans ces entreprises de moins de 11 salariés ? L'employeur élabore un projet d'accord, c'est donc un projet unilatéral, qu'il soumet à l'approbation des salariés dans sa petite entreprise. Et si ces salariés approuvent le projet de l'employeur aux deux tiers, le régime issu des ordonnances de 2017 aboutit à considérer qu'il s'agit là d'une convention d'entreprise. Et cette convention d'entreprise, elle peut déroger à la loi, hein. Elle peut déroger aux accords de branche. Alors, on peut quand même s'interroger sur cette convention qui est conclue dans le cadre d'un dialogue social rénové dans les TPE. Parce qu'il n'y a eu aucune négociation dans le cas dont on parle. Le projet unilatéral, il est le produit de la volonté de l'employeur. Il n'y a eu aucune négociation conduite avec une partie salariée. On comprend donc qu'aujourd'hui, les leviers juridiques sont nombreux. Leviers ayant vocation à favoriser donc, la tenue du dialogue social dans l'entreprise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la valorisation hein, de la culture du dialogue social est rapportée à la mise en place d'une gestion moderne des ressources humaines qui invite à mettre à distance la conception conflictuelle des rapports de travail au profit d'une vision dépolitisée, faite d'écoute, d'échange, de compréhension entre l'employeur et les salariés, ou parfois ses représentants. Soit. Maintenant, en retour, il n'en demeure pas moins que on peut s'interroger sur ce qu'il advient de l'alinéa 8 du préambule de 46. Je l'ai dit tout à l'heure, il envisage le droit des travailleurs à la négociation collective, c'est tout travailleur a le droit, par l'intermédiaire de ses délégués. Dans l'hypothèse dont je viens de parler, on ne voit plus de délégués. Hein, c'est un référendum aux deux tiers. Bon, on peut s'interroger. Mais surtout, et encore plus, pour de manière schématique, certains ont écrit là-dessus, mais, bon, les travailleurs titulaires du droit à la négociation collective visée par l'alinéa 8, est-ce qu'ils ont véritablement intérêt
à la réalisation de leur droit à la négociation collective si celui-ci joue en leur défaveur. Autrement dit, faute d'un rapport de force suffisant, que l'exercice d'ailleurs du droit de grève à valeur constitutionnelle, je l'ai dit, peut contribuer à établir, est-ce que les salariés ont, or c'est provocateur ce que je vous dis, ont à gagner à l'existence du dialogue social dans l'entreprise ? Finalement, n'est-ce pas l'employeur qui, implicitement, aujourd'hui, est le principal bénéficiaire du régime contemporain du droit de la négociation collective ? C'est une question. Alors, la question et la conclusion qu'elle suggère, elle est évidemment à nuancer à bien des égards, mais vous l'aviez compris, l'objet de cette conférence était de poser un regard critique et juridique sur un dialogue social qui est actuellement célébré, mais dont les envers et les revers, en droit en tout cas, ne sont pas toujours clairement dévoilés. Et c'est donc là que se clôt mon propos. Voilà. Merci beaucoup Sophie pour cet exposé très riche. Est-ce que maintenant c'est le temps des questions ? Qui veut poser la première question ? Vous avez la parole. Est-ce que vous pensez à titre personnel qu'on pourrait envisager un retour du principe de faveur qui a été conçu à la base et puis, ou alors les atténuations contemporaines sont trop ancrées maintenant pour qu'on puisse revenir dessus ? Alors je répète la question pour. Est-ce que, à ton avis, Sophie, à titre personnel ? À titre personnel ? Pas ce que tu voudrais, mais est-ce que, à ton avis, il est possible qu'on revienne un peu sur les évolutions que tu as décrites ces 30 dernières années, qui ont grignoté petit à petit de différentes manières le principe de faveur dont on a pu comprendre que certains considéraient qu'il était l'âme du droit du travail ? Oui, il est là aujourd'hui. Oui. Alors moi, est-ce que, du coup, je me greffe un peu sur votre question, parce que j'ai une question qui finalement va un peu dans le même sens. Pourquoi, à ton avis, le rapport de force entre les syndicats et le gouvernement a tellement changé qu'à une certaine période, des grèves permettaient d'obtenir des avancées sociales majeures et qu'aujourd'hui, après un mouvement de contestation aussi fort que celui qui a eu contre le projet de loi de retraite ou d'autres grèves qui ont eu lieu, pourquoi aujourd'hui le rapport de force semble si peu favorable ? Je pense que ça, on peut trouver un point d'ancrage Déjà, moi je vais vous te répondre. Moi je suis juriste, je ne suis pas politiste, hein, je ne suis pas sociologue droit du travail, donc expliquer. Je veux dire de manière satisfaisante les facteurs d'affaiblissement éventuel du syndicalisme en France, je pense que ma clé de lecture sera peut-être un peu, partielle. Partielle, après partielle, sur que peut devenir la règle de faveur. Alors, à tout vous dire, personnellement, je ne pense pas, mais j'espère me tromper, mais je ne pense pas que les réformes à venir du Code du travail, soit des réformes qui aient vocation à rétablir, je dirais, la règle de faveur à l'égal de la situation dans laquelle on était avant 1980. Ça, je n'y crois pas du tout. Que des réformes puissent intervenir et qui, peut-être, restreignent un petit peu le champ des dérogations qui sont ouvertes à la loi, par exemple, à l'accord collectif à l'égard de la loi. Je ne sais pas. La loi El Khomri a considérablement assoupli les formes de dérogation possibles au droit du temps de travail. C'est 2016. Elles étaient déjà souples. Elles ont été encore assouplies. Y aurait-il un recul sur cette question ? Pas impossible. Depuis 2016, il y a des mécanismes qui sont ouverts à la dérogation par l'accord d'entreprise qui ne l'étaient pas avant. Je pense par exemple en matière de forfait. C'est des mécanismes d'aménagement du temps de travail ou les formes de possibilité de déroger en matière de repos dominical. Il y a des champs qui ont été ouverts depuis 2016 qui ne l'étaient pas antérieurement. Est-ce que là-dessus, ça peut bouger ? Ça dépend des gouvernements à venir aussi.
dans les rapports entre accords collectifs, faut peut-être pas oublier une chose, c'est que historiquement, c'est un accord à l'origine, c'est un accord national interprofessionnel de 95 qui avait initié l'idée qu'on puisse avoir une nouvelle définition des relations entre accords d'entreprise et accords de branche. J'en parle, pourquoi c'est important ? Parce que cet ANI, il avait été signé, oui, mais pas par tout le monde. À l'époque, la CFDT l'avait signé, la CFTC l'avait signé, la CGT l'avait pas signé, la CGTFO l'avait pas signé. C'est-à-dire qu'au sein des organisations syndicales, il n'y avait pas d'accord sur la manière dont on devait pouvoir repenser les articulations entre accords collectifs. Alors, moi, là-dessus, ça, il y a peut-être une certitude, c'est si les organisations syndicales, là-dessus, mais je suis aussi pas très optimiste. Mais en réalité, ça va dépendre des gouvernements à venir. Mais ça, bon, mais il faut voter, j'en sais rien. Mais mais ça n'engage que moi et pas, c'est pas un juriste, hein, là, c'est vrai. Je suis pas certaine. Mais il y a d'autres que moi qui peuvent avoir des avis sur ces questions. Mais moi, je ne suis pas certaine qu'on puisse en revenir, si vous voulez, à ce qu'était le droit du travail dans les années, en tout cas en matière de négociation collective, à ce qu'il était dans les années 75 ou 80. Ça, je ne le crois pas. Mais bon, grâce à vous, parce que tous, là, futurs juristes que vous êtes, vous allez agir bon, et vous allez peut-être pouvoir inverser l'évolution des choses dans l'exercice futur de votre métier de juriste. Exactement. Une dernière question ou la fin. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci encore, Sophie, pour cette...